Allez, c'est parti pour la troisième et dernière game de ce BO. Au terme de ce match, une des deux équipes sera éliminée. C'est triste pour Virtus Pro Liquid qui vont tous les deux montrer des belles choses, mais il n'en restera qu'un dans ce The Summit. Virtus Pro, donc, qui a remporté la première game avec un Phantom Dancer impressionnant de Silent. Team Liquid qui a gagné la deuxième game grâce au Tusk de Jirax et au Giro de Matumbaman. Va-t-on voir une évolution des drafts? J'ai l'impression que oui, puisque c'est Liquid qui banne Oh, le le SF! Tusk, et ouais, du coup, SF de Virtus Pro. Mais immédiatement, on a le Wisp, et on a le Wisp en radiant. C'est-à-dire Ouais. que là, à mon avis, c'est très très bien de faire des pulls contre un SF au mid. Hein. Ouais, carrément. Mais du coup, je pense, Liquid laisse passer le SF en sachant que VP va le faire speak, et en se disant, c'est good, on peut faire notre Wisp. Razor derrière. Donc les deux équipes étaient absolument au courant de comment allaient se Mmh, passer les tout trois à fait, ouais. premiers picks, une fois le dernier ban, une fois le dernier ban en jeu. Du Maintenant, coup, comment les tu deux. fais? Comment tu fais là quand tu sais que le mec va faire des pulls au mid? Qui va bloquer le camp en level 1? Ouais. Tu fais une smoke dans les bois adverses, tu fais une smoke dans les bois radiants et tu vas mettre une sentry dans le camp. D'accord. Ou D'ailleurs, alors tu d'accord. prends un truc, alors j'aimerais pas parce que je pense qu'ils vont perdre s'ils font ça, mais tu prends un truc genre Bounty Hunter. Et tu l'empêches tout le temps de le Moi, ce que faire. j'aime pas, c'est que t'es vraiment juste à côté du mid, quoi. Et là, le Ouais. mid, a priori, c'est Razor. Alors, ok, on avait vu, je crois, Secret qui avait fait ça avec un anti-mage. Bon, tu vas embêter l'anti-mage, c'est pas un problème, quoi. Mais là, t'embêtes le pote du Razor. Le Razor, mon gars, il arrive. S'ils ont de la dust, t'es dans la merde. Hein. Ensuite, Winter Wyvern pour Virtus Pro. Donc, ça, on en avait parlé aussi. Donc, cette Lina qui reste finalement dans au niveau des first ban, ce qui est très étonnant, mais bon, pourquoi pas. Et on va voir comment va se dérouler la suite du draft. On respecte ban le Giro de Matumbaman, hein, qui a été plus que bon dans cette BO. On respecte même aussi la Brood, mine de rien. Parce Ouais. que, bah oui, c'est quand même un très mauvais support contre Brood. Qu'on banne l'Ember aussi, au cas où, comme ça on tape un peu dans le pool de Matumbaman ou peut-être le PL. Mais je crois que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué l'Ember Matumbaman, hein. Ouais, Moi, je sais peut-être. qu'à The Defense, il était. Je crois que dans toutes les games de la finale, il n'a jamais été ban, son Ember. Mais genre, D'accord. jamais, tu vois, même en dernier. Ça m'avait beaucoup surpris. Je suis allé voir les stats et je crois qu'il le joue quasiment plus. Mais bon, je dois Il peut-être reste me peut-être des méfier. supports qui t'embêtent aussi, genre Ouais, le le Bane Bane. ou le Dazzle. Bane est Ah, tellement ils vont bon. enlever le Tiny parce qu'ils ont peur d'une possibilité Wisp Tiny quand même. Comme ils avaient fait Ok. sur la première, hein, sauf qu'ils avaient ban le Tiny beaucoup plus tard. D'accord. Comprends. Comprends. Bon, la liquide, tu bannes Dazzle, tu prends Bane et tu fais Bane Centaur en offlane. Prends un solo safe lane pour Matumbaman. Ah c'est ça, depuis un mois, il a joué que deux Ember Batumba maintenant. C'est quand même très peu quoi. Bon il le joue encore un peu du coup ça veut dire mais. Bon il Alors a c'est le joué pire. 15 euros tu vois, 15 euros et deux Ember donc. C'est le pire qui leur a posé beaucoup de problèmes Ouais. sur la première game avec ce là. Est-ce que tu le bannes ou pas? Moi j'insiste sur mon ban Dazzle into pick Bane là. Mais bon. Vous comprendrez Bah aussi moi tout à je fait ne le ban pourrais pas PL. dire est-ce qu'ils doivent ban PL, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce. One of the casters said there's going to be some new patch news after the Virtus Pro versus Liquid game. Est-ce Alors, que patch c'est vrai? news, hein. Ouah! Bon, on s'en fout, moi je veux le Non, on patch s'en note, fout moi. complètement. Mais Ah ouais, non, moi je veux le complètement. patch note. Tant qu'on n'a pas le changelog, on s'en Mais je fiche. pense que patch news c'est le changelog, non? Pas forcément. Non? Ça va peut-être être un vieux T sur. Regardez, on vous a mis un nouveau game mode. Peut-être. Et on n'a pas le changelog avec. Allez, il banne quand même Bon, le PL. ils bannent le PL, ils prennent le Into pick Bane, Bane. comme tu proposais. Ah, le visage de Lid, on en avait parlé. C'est bon, on est good. Bon, alors combien du chat vont s'emballer sur pick draw, je l'annonce, pick draw, je l'annonce. Moi j'aimerais bien de la réduction armure là, ils ont SF plus visage pour en profiter. Bah, Venge position. Ouais voilà exactement ce que j'allais dire, pourquoi pas le retour d'une Venge. Alors c'est Vilat qui a dit ça. After the match Virtus Pro versus Liquid, there will be an interview with someone about the new patch. Alors ça on essaiera de regarder un. 10 seconds remaining. Ok, donc il va y avoir un truc sur le stream officiel. Il faut qu'on garde un œil sur le stream officiel du coup, hein. Je vais le relancer du coup chez moi là. Bon, ce sera après la game, vous allez me dire. Hein. Ça, c'est important quand même. Parce que je pense que. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai beau être à l'école en ce moment, je check credit tous les jours, toutes les heures, je fais un petit refresh pour voir si le patch note a pas pop au cas où, hein, juste comme ça. Donc.
Donc je pense que ça vous intéresse tous. Bon, tout le monde s'en fiche de Slardar dans ce BO, Ouais, mais complètement. complètement, Ah hein. bah voilà, on parlait Réduc Armure. Bon, maintenant Bah contre oui. Razor, c'est pas terrible parce que tu te purges tout le temps là, c'est relou. Ceci dit, avec le sprint, ça va quand même, hein. Le purge est relou, mais tu t'en fous. Oh, tu te fais enlever le sprint, quoi. Non, et Vilite, il a été. Donc, il y a Vilite 4 Oh. 8, il y a tous les mecs de BTS contre 8, hein. Donc, Kotal Guy, LD, etc. Donc. Moi je suis. Bon, ok, le pick draw, on s'y attendait, il est là. C'était ça ou Venge, hein, soyons honnêtes. Par contre, le Doom, je suis un peu déçu parce que du coup, il s'enlève l'option Phoenix, il s'enlève l'option Centaure. Je pense que le Centaure aurait été mais tellement bien contre ce qu'il y a en Ouais, face. moi j'aime pas trop Doom honnêtement, là c'est de la merde. Hein. Non, j'aime pas trop Doom non plus. C'est des strats full aura de dégâts, ça sert à rien Doom de. Tu Doom Ah ouais, quelqu'un. complètement, ouais. Hein. M'en fous. Clic droit à la tête et tu meurs. Bon, il va falloir probablement. Alors, soit tu pars sur un range de plus, soit tu pars sur un frontliner qui fait l'engage, donc j'aime bien le ban Slardar. Je pense que Spirit Breaker est aussi très très legit pour VP en last pick. Ah il paraît que c'est bon. C'est un troll il paraît, putain, merde. Fuck. Il Ouais. paraît que c'est juste sur la Shunchlak qui va se déguiser. Bon, on va quand même garder un œil dessus. J'espère qu'ils vont pas se foutre de notre gueule. Allez. Bon, on banne Slardar, c'est normal. Qu'est-ce que tu prendrais là en offlane pour VP? Bah, Spirit Breaker. Ouais, c'est pas mal. J'aime pas trop contre Razor. Il banne Ursa. Bah oui, ouais, pourquoi pas. Moi j'aurais bien un petit Lican là pour Liquid. Ce serait cool. C'est trop bien Lican contre Franchement, Drow. pourquoi pas. Mais ouais. Non, mais j'approuve. J'approuve complètement le Lican. T'as peut-être pas assez de CC dans ton draft, du coup, il va falloir peut-être un peu. Ah mais il y en a pas en face. Bon ceci dit, Winter Event ça va être pas mal hein, parce que les Nécros ils te tapent non quand t'es en. Il me semble les Mais il creeps te te burn? tapent. Ouais non mais donc du coup ils t'attaquent, ils te Ouais. défoncent quoi. Ouais non c'est pas Non, terrible en non. fait. Allez, le héros de Matumama en dernier. Donc là, il faut pas un truc qui arrive trop tard dans la game parce que VP avec leur strat, là, ils peuvent finir la game en 20 minutes. Hein. Donc, surtout qu'ils ont Doom qui est un offlaner très greedy, il faut quelque chose d'assez utilitaire qui rentre dedans. Un truc qui a des spells, quoi. Oh! T'as Oh! cool le Lican? Trop T'es chaud. sérieux? Le mec a cool le Lican, quoi. Le héros qui n'existe plus sur Dota depuis 4 ans Trop et le mec l'a chaud. cool. Bah, le problème, c'est qu'il peut pas faire Nécro aussi. Enfin. Je sais Moi j'ai pas. pas envie de faire un nécro là hein, pour Winter Wyvern. Hein. Bon, si tu peux jouer le héros sans nécro. Hein. Lican. Moi j'adore ce héros, il est trop bien. Ils ont buff son ulti en plus. Est-ce que tu te fais pas défoncer si les mecs viennent entrer aggro avec leur strat draw par contre là? Genre t'as Lican Bane en safe lane? Eh, hey, Spirit Breaker, Allez, c'était putain, cool et on est ça. vraiment des casters aussi. J'ai Yep. beau être à la retraite, on est plutôt bon quand même. Hein. Yep. Ah, c'est vrai, j'avais le stream Bon. au feed ouvert, mais j'ai pas regardé, promis. Vas-y, en plus, il pique après moi sur mon stream officiel. Ils viennent seulement maintenant de pique le Spirit Breaker. Bon, du coup, toi tu disais on triaggro. Bah ouais, complètement. Bah oui, ouais. Ah, mais moi ce que j'aime pas trop, c'est triaggro avec des supports qui ont besoin de trop de level, quoi. Ouais, mais je pense que tu peux tellement punir par contre. Après, on Moi aussi, n'oublie pas je suis l'histoire du complètement pool mid, d'accord hein. que. On n'oublie pas l'histoire Ouais. du pool mid, hein. Ah oui, non, mais si tu vas le bloquer au level 1, t'as réglé le problème, hein, Oui, mais est-ce qu'ils vont les laisser aller le bloquer au level 1? Parce que le level 1 liquide est pas mal quand même. Enfin, il est pas bon. Ouais, bon, t'as le feu Bane, du Doom qui est pas Razor. mal. Ok, t'as le Krillican. D'accord, t'as le Ouais, c'est pas Hall, mal. donc tout Hein. le monde fait mal. C'est pas mal. Beaucoup de move speed en fait. Ils peuvent rattraper les gens, je pense. C'est facilement. Je pense que le mec qui se prend le Grave Chill, il est mort. Mais après, c'est pas dit que Ouais. tu récupères pas tout le monde. Peut-être. Alors, en tout cas, Prepare il y a for battle. double sentry sur FNG. Ce qui se fait quand même assez Double rarement. sentry? Ouais. Non. C'est qui FNG? Quoi? Mais où ça? Attends, c'est quoi ça? Sur FNG. Bah, il a Où deux sentry. FNG? Bah oui, mais ils les achètent deux par deux! Oui, mais généralement, ce que je veux dire, c'est que généralement, tu Ah! les splits et t'en as une à ton offlaner. Et gars. Non, mais Moi je ils pensais vont qu'il y en pas avait les. acheté 4! Ah, Non, putain, tu non. vas complètement pigeon, Vaja, c'est quoi ça? Non. Ils vont pas du tout les bloquer. Ouais. Alors je vous rappelle que s'il commence avec un centaure ou un tomato, Elber. il est obligé de doubler quoi. Ouais, mais t'as quand même beaucoup de chance. C'est Elber Smasher, c'est foutu. Centaure, c'est foutu. Jotun Lado, c'est foutu. Et Satyr, c'est tendu. Donc Satyr t'as c'est vraiment tendu. une chance sur 5 que ce soit good. 30 Tiens, ils ont seconds. déjà Ah trouvé mais une Gore chance par sur ça, contre. il double quasiment tout le temps en ce camp. Donc
Ça fait deux chances. Non, mais j'en Je sais sais rien. pas, là ça devient trop compliqué pour moi. Je suis pas un mec qui calcule, je suis un mec qui constate. Je pense qu'il a deux chances sur cinq en fait. Non, c'est pas ça. J'en Et sais oui, rien. je me suis tué à expliquer l'autre jour sur le stream comment ça marchait les bounties. Qu'en fait, t'as pas une chance sur 5 que ce soit une bounty. T'as 50% de chance qu'une bounty pop, et Ah, c'est ensuite. ça. Ouais. Bah t'as juste 50% de chance qu'il y ait une bounty quoi. Mais c'est ça. Mais t'avais un mec qui comprenait pas sur le chat. J'ai dit, mais non, mais mec, mais il y a 5 runes. Et non, mais on s'en fout, on s'en fout. C'est 50% de chance que ce soit une bounty ou pas. T'as une chance sur 2 que ce soit une bounty ou pas. Et après, t'as une chance sur C'est 4 ça. d'avoir une ace. C'est exactement ça. Il y a double calcul, quoi. Bon, là c'est un Alors. vrai 2v2 mid des. Ah non, c'est pas le Bane, j'allais dire, c'est un vrai 2v2 mid entre les deux supports les plus forts en mid actuellement, la Winter Wyvern. Et le Bane, mais pas du tout en fait, c'est un Wisp. Et qu'est-ce qu'il a comme creep avec son Wisp? C'est des Jotun. Jotaran. Alors il va faire doubler normalement. Donc comme il va dans les bois adverses pour aller manger le creep de. Oh, il a l'ogre au-dessus. Il va pas aller checker. On va prendre le premier qu'il trouve. Ah, il y a un peu FNG. Donc c'est un 2v2 mid, mais c'est Doomrazor. Ligne de VP. Alors, Kuroki. Kuroki. Qu'est-ce qu'il va trouver? Phobos, on lui met un peu de poke pendant ce temps-là. C'est quand même un Bane sous eau là, hein. C'est quand même. Ah, Quand des même 7 violent. tirs. On va voir s'il arrive avec les 7 Alors, tirs. les satyres, c'est dur, hein. Ouais, t'es Il chaud, le mais vas-y, tente, il il le tente. attaque. Donc, il faut que l'attaque parte et qu'il se taser à ce moment-là. Non, c'est loupé. Échec. L'attaque est partie, effectivement, hein, mais Ouais. il est... Est-ce qu'il le triple maintenant ou pas? Parce que Oh, de là. toute façon, il va le stacker, oui. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Ouais, tu penses qu'il. Ok, ouais. Ça, il peut pas vraiment venir aider son Razor. Le Razor a pas besoin de lui, en tous les cas. Bon, il peut venir donner de la move speed à ce Razor. Bon, très bien. Il a pas non plus envie de voler l'XP du Razor. Ça l'emmerderait un peu. Ah mais le Doom, j'ai pas du tout vu, mais le Doom il est parti à l'autre bout du monde en fait, manger un creep et du coup il a deny, Ouais? bah, indirectement il a deny un peu les stacks du SF. C'est bon, je vais arriver à montrer. Marrant ça. Bon, du coup, je regarde pas du tout ce qui se passe sur la phase de ligne. Hein. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Alors, hop, Kuroki Hero double. Ah, ceci dit, ici sur l'attaque du rep, ça doit être faisable. Hein. Et Il rejoue a un Tornado. Razor. Ok, donc c'est foutu pour lui, pour son plan. La game Ah, sera pas une là, game cassée. j'ai. Ouais, j'ai eu l'impression que sur l'attaque du petit, c'était faisable. Hein. Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'il faut taser en haut, le projectile est en l'air. Comme ça, le projectile vous atteint, bon, vous êtes à côté des creeps. C'est clair, à mon avis, ils sont Non, trop il ne bloqués les tente deux. pas, il ne tente pas. Allez, bataille la rune en bas. Qui avait déjà été récupéré Mais par Gérax. Phobos joue bien sa lane en bas parce que tout à l'heure il avait. Après le wall, il n'hésite pas à trade contre Jirax. Ouais, mais il est arrivé de Kuroki. Il a une recharge. Il peut le tuer, non? Ah, le slip. Du coup, il faut charge out, non? Ah, Il le faut charge bouger. ailleurs. Ouais, bah parce qu'il s'est fait bottle up. Il va charger mid, mais il n'a pas passé forcément. Aïe aïe Ah, aïe il faut il se aïe. delay sur les anciens, faut faire un truc là, sur les Ouais, sur le locaux, je sais pas, il faut x3 du faire quelque coup. chose. Non, non, il y a le Le rouge Razor qui Razor, arrive! non, non. Aïe 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 aïe. Ah, les jeux jouent juste là. C'était pas Ouais. forcément mal joué ça non plus, c'est juste bon bah voilà, le Wisp, tu dois savoir qu'il est dans le coin, donc tu te mets Même vraiment en danger. si Jirax main fight, c'est forcément que. Tu sais que Kuroki va refaire stacker. Alors là, s'il arrive à pull cette vague de creep, mais alors. Il pull dans un x4, hein, je peux vous dire que. Les creeps, ils se font. Ils auto-meurent. Et encore des satyres. Allez, on est parti un peu au mid. Par contre, sur God, il est en train de se faire dive. Il va prendre un tango. Il a sa salve à suivre. Ça ne suffira pas. Kuroki, malgré qu'il soit bas en level, va récupérer le kill. Le Bane s'est suicidé sur des neutros pour back fontaine, visiblement. Et bon, ça là, en haut, le Doom, lui, est passé level 3. Alors, c'est très important quand vous êtes avec une draw de bien zoner l'offlaner parce que c'est un héros qui a vraiment besoin d'être devant. Hein. Si votre offlaner est bien, c'est une des raisons pour lesquelles on voit très peu de draw d'ailleurs. Si notre laner est bien, la draw elle meurt, bah là sur le 6 du Doom elle meurt. Pareil sur le 2 frérot. God souffre quand même pas mal au mine. Hein. Bon, le Razor a pas beaucoup de CS de l'avenir. Mais il y a plus de stack fait pour le Razor que pour le SF. Ouais. Que level 4 d'ailleurs. Bon, c'est normal d'être level 4. En fait. J'avais pas vu les cosmétiques de Silent. Il y a vraiment pas beaucoup de cosmétiques draw qui ressemblent à quelque chose, mais ceux-là sont particulièrement dégueulasses.
Et mid, est-ce qu'on fait le complet dive sur God? Oh, j'ai bien l'impression qu'on retourne le glaçon, mais du coup on vole des dégâts. FNG qui n'a pas son premier sort, le Bane qui arrive en Ace, ils vont récupérer les deux du coup là-dessus. Aïe 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 aïe, TP de la part du visage, il y a une charge qui arrive sur Kuroki. Oh, il a bien joué Kuroki, il va quand même mourir, la charge est transférée sur... Il était low HP en fait. Dommage. Et du coup en haut, Sylon qui peut un peu en manger face à Main Control, non pas vraiment. Ouais, il peut le pousser. Il le chatouille, hein. Ouais. Il peut surtout le pousser avec le silence en fait, donc c'est assez sympa. Il a 3 points de flèche de glace, attention quand même à contrôle là. Il va s'acheter non, il va sale. Ouais, double tourniquet, il est en danger Silent maintenant. Ah, quoi, il n'y a plus de feu donc je pense pas qu'il puisse le tuer. C'est vrai. Il y avait eu un autre mec sur place, oui, mais. C'est vraiment une phase de ligne de merde, drôle, c'est impressionnant. T'as un bon support d'Aras à la limite, c'est cool parce que si ton support maintient le mec à 50% PV, après tout d'un coup tu le surprends avec les flèches de glace et c'est bingo. Mais là, c'est. Enfin, visage, c'est vraiment pas un bon support d'Aras en fait. C'est un mec qui veut tuer, c'est pas un mec qui veut ronger le mec en face. Allez, Ekot qui va recover un peu sur ses stacks. Je vais mettre le Net Worth comme il est quand même assez important. On voit que le Razor a le double Net Worth de son adversaire. Ils ont déjà farmé leur stack, pour le coup, les liquides. God après son stack et revenu au niveau du licor. Attention à au Doom là qui est un peu hors position, qui est bien ralenti, qui est charge, qui est body block maintenant. Et God, on pourrait pas lui laisser skill là, ça lui ferait du bien. Il loupe la première raise malheureusement. Et c'est Phobos qui va récupérer le kill, ce qui est pas plus mauvais que ça, si mauvais que ça. Non, carrément, le SF a une bounty pour son déplacement en plus, donc il est level 7 maintenant. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus facile pour lui de jouer. Ouais, carrément. Et le matchup 1v1 Razor SF est bon pour le SF, parce qu'au final le SF a trop de dégâts pour le Razor. Et je pense que maintenant s'il n'y a plus trop de supports qui traînent dans le coin, God il a fait probablement le plus dur pour ce matchup et il devrait le gagner. La Toubaran est très bien quand même dans la game, hein. Pas inquiété du tout, il va prendre sa T1, ce qui est hyper important avec le camp. Ouais, on a FNG qui arrive pour essayer de ralentir un peu ça, peut-être chercher un deny, non même pas, ils ont mis la glyph. Ah bon, on peut pas savoir en fait. Et d'ailleurs, structure a vu une forte fin. Dans ces glyphes qui sont gratuites hein, sur les T1. Ouais. Encore tombé l'autre jour sur un mec qui ne savait pas. Ouais. Ouh, le link au bon moment. Par contre, il est charge quand même. Ouais, c'est pas d'ag, il charge par contre. Ah, j'ai vu, c'était Kuroki, zut. Dommage. Ouais, je suis encore tombé sur un mec l'autre jour qui connaissait pas le concept. C'est vrai que s'il y a des types qui n'ont pas joué depuis longtemps, tu peux. Ça peut te surprendre, mais effectivement, les glyphes sur les T1 sont gratuites entre guillemets, dans le sens où dès qu'une T1 tombe, pour votre équipe, et ben la glyph est refresh. Donc n'hésitez pas vraiment à glyph CT1 quand vous savez qu'elles vont tomber ou quand vous estimez qu'elles vont tomber. Donc vous allez récupérer le CD de toute façon, et ça ne fonctionne bien sûr que sur les T1. Allez, Silent s'est acheté un Mask of Death et donc il va partir dans les bois maintenant pour laisser la ligne à son support. Le visage, il est level 6 avec sa draw, il apporte probablement plus 18 de dégâts à tous ses coéquipiers. Attention à FNG à droite, il y a des loups en hall, ça fait mal hein, des loups en hall, même si le hall va faire terminer bientôt. Il faut qu'il se glace. Par contre, pendant ce temps-là, attends, il y a un mec qui a disparu là. C'est le SF qui a fait des fontaines. Et à droite, pour le coup, ça TP pour venir essayer de contrer sur Jirax. Jirax qui. Et Phobos est mort mid. Ah, c'est vrai. Et Phobos est mort mid. Oh non, il est en vie. Mais il les a complètement duc. C'est bon. Les anciens gamins de Golem, ils seraient pas fait bâche. Il l'aurait eu. Bon, du coup, Lille a TP top. Donc la safe lane est abandonnée. T'as Phobos, il souffre dans ce début de partie. Ah ouais, mais ça a l'air d'aller en termes de level quand même. Ah non, il a quand même un level de retard sur le Doom. Même si on parle du principe, le jeu qu'il soit 5, le Doom vient de passer 6, ouais. Allez, visage avec une ruine d'invis. La Drew elle a récupéré l'offlane pour le moment. Et puisqu'il y a God qui farme quand même énormément les bois. Et le Doom, du coup, il y a eu beaucoup d'espace là-haut avec toutes ses rotations. Et il va attaquer cette tour. Un TP de la part de FNG. Et bah on lui met le double tout simplement. Oh bien joué FNG qui s'est envolé. Je pense que du coup il s'en sort. Je pense aussi qu'il va aller le slow un coup. On va voir qu'il trouve pas le feu. Ouais, il est coincé longtemps. Il va mourir la main contrôle non. Ah il peut essayer de stomp TP. Il va TP tout court. Ouais. 17%. Où sont les. Cassez ce jeu. J'aime bien ces drôles là qui farm en étant complètement invisible. Il y a Jirax qui va venir l'embêter un petit peu. C'est surtout pour essayer de. Attention, il est en danger là, Jirax. Hein.
Oh oui, j'avoue qu'il s'est mis un peu au milieu de nulle part. Il va suivre le visage. Faut Charge réveiller qui ton pote le arrive. visage au bout d'un moment, je pense, pour exécute. C'est bon. Jirax qui va Ou se Lily, il est mort, par contre. Oh, il saute sur il bloc. Oh non, non, non. Ouais, mais... Et Silent est en danger, du coup, aussi. Il va courir trop vite sur Azor. Il récupère le kill, du coup, avec la vision que lui a offert le Wisp. Aïe, 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 je sens que ça va être encore une game incroyable de Fata au hasard. Ouais, et tiens, alors super étonnamment, il fait mecha. Attends, on est parti en haut. On est parti en haut sur Main Control. Non, on pourra pas le récupérer. Oh, y a... oh, il a chuté. Big Bad le Wolf Big qui Bad arrive. Wolf qui arrive. Ah, FNG, c'est bien ces deux d'armure qu'il a pour l'instant. Il va se glaçon gagner du temps. Ah, ça va, le glaçon compliquant pour le coup. Ah, Big Bad Wolf, il veut finir le kill quand même. Bien sûr. Allez, on va le récupérer. Relocate par-dessus. Relocate Phobos en sur plus. Tout seul. Il a pas la mana. Il a pas la mana pour charger Phobos. Il cherche un bash, mais c'est tout ce qu'il va pouvoir faire. Il va mourir. Attention à Lille maintenant. C'est vrai que s'il veut sleep Lille. J'ai l'impression qu'ils veulent finir la game très tôt hein, autour de ce méta. Ouais. Il y a carrément, des points d'Enfeeble sur Jirax qui sont pris. Il va quand même finir par se faire sleep Lille. Aïe 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 aïe. On va le réveiller très vite par contre. Ouais, il arrive à gagner du temps. Ah, il a attaqué sans faire exprès une creep. Ils vont perdre leur T1. Attention, Virtus Pro. Qu'est-ce qu'il fait God lui pour le coup? Lui aussi fait mecha. Là ou pas? Non, non, il non, a non pas, il a il a que le mecha. Regarde les Teleforce de Network, ça. Non, bah c'est vraiment étonnant que Fatah fasse mecha sur son radar. Lui qui était le grand preneur de mecha, qui nous avait fait des trolls mecha et des DK mecha et tout. Invoqueur mecha, j'en crois c'est des meilleurs. Sur son Razor, là dernièrement, il a complètement lâché les bulles mecha. Il faisait quasiment tout le temps Power Thread, Aquila, Wand, Sanjay Yasha. Alors, qu'est-ce qu'un item peut faire Matumaman là pour les aider à finir très vite s'ils veulent monter un Aegron très rapidement? J'ai dit, c'est vrai que je sais même pas si le mecha sert à finir. Vite en fait, parce que c'est juste très bien contre les strats. Ah oui, c'est de l'armure super super rentable. Ouais, plus avec un Wisp, donc c'est du double heal ouais. En plus. Ah, je pense que Necro garde quand même beaucoup de sens du côté du Dicron. Hein. Ah, bah y'a les Mounta, oui. Hein. Ouais. Bah, le délire, oh, c'est que. Ah, c'est bon, je pense qu'il faut juste split tes summons de ton héros dans le sens où tu trigger l'ulti, tu sors tout, ils essaient de poke cure, ok, mais ça ne donnera rien. Tu sors tes summons et tu mets ton ulti et tu balances par exemple tout ton bordel, tous tes loups et tes nécros sur la draw et toi tu vas right-click un autre mec. Tu vois t'es vrai, tu peux faire comme ça. On veut faire dans l'autre sens en allant avec son héros sur la draw pour lui enlever le bonus et. Oui, voilà. Support, ouais. Mais c'est vrai, t'as raison. Ça peut marcher comme ça. Big Bad Wolf! Beat Bad Wolf contre God. Allez, il faut buggy block là. Oh non, il y a relu. Ouais, il va se mettre le petit coup de buckler. On arrive pour l'aider par contre. On oh, arrive mais c'est pour le double dans la relocate. Ouais. Ça fait pas très peur ça par contre. Non. Razor, à la limite, tu lui mets un gros nuque. Mais alors, ouais, je pense qu'il voulait juste avoir n'importe qui à côté pour essayer d'aider. On va smoke de la part de VP, j'ai l'impression. Il y a un DD sur God. Est-ce que c'est pas le moment d'aller faire rush là? On a smoke sans le Spirit Breaker malheureusement. Attends, ça a été ping 30 fois par Fatin. Et il ping Roshan. Ok, ils sont au courant. Ils ont vu la smoke d'une manière ou d'une autre, il y avait un creep qui était en train de mourir, qui a dû voir la fin de la smoke j'ai l'impression. Et ils vont les laisser que rentrer dans rush. Le oh, ils y vont y les y laisser dans le rentrer et les bloquer dedans. Elle peut finir tellement vite cette game. Ouais. Alors est-ce que FNG level 6? Oui, heureusement, le Razor qui met déjà tout le monde mid HP, on envoie l'ulti de la part du SF. Attention quand même, l'ulti Winter Riverne, on va tuer le Razor. Tac, il va mourir, on a tenté de relocate, j'ai l'impression de la part de Kuroki qui va mourir, ou peut-être pas, c'était juste nice. Un CD. Ok, il meurt à deux. Le problème c'est qu'ils avaient personne pour rentrer dedans quoi, c'est bien d'aller mettre un rond Razor, mais il est où ton Doom qui doit rentrer dans et... le kit et les... Il est allé trop tôt pour moi hein, il allait ouais, beaucoup ouais. Trop tôt, il fallait attendre. Complètement. Et du coup ils vont récupérer Rush là-dessus hein. Bah oui, et là... Et on va revenir à moins de 5-4 différences en regarde, termes d'XP. Regarde, ils ont fait 2000 gold sur ouais. Le kill hein, avec 800 gold pour la Winter Wyvern, plus bah, derrière. L'XP est à zéro, c'est sûr. Ouais. Mais le gold, on va voir où est-ce que ça atterrit, parce que là ils vont enchaîner avec une T1 en plus. Mmh. Ouais, parce qu'ils ont pris aucune tour pour le moment, ils ont perdu en 2-3-4, donc forcément ils ont 4000 gold déjà de retard juste sur les objectifs comparés à leurs adversaires. Et ils vont finir plein de petits items super intéressants, ils vont finir le mecha, ils vont finir le médaillon, mmh. Ils vont finir le Yasha de la draw, probablement une urne sur le Spirit Breaker, et ils l'avaient déjà même son urne. Oh, on arrive oh, quand même pour descendre là. Hein. Oh, il faut ouais. Se marrer, non. On décide de prendre le fight sur Main Control, attention il est tanky, attention il est tanky, le mecha qui arrive de la part de God, on va tuer Main Control, c'est fait, God qui est au corps à corps de Fata, on se retourne du coup sur ce Razor, Silent qui réussit à reculer pour le moment, on va tuer Fata. Oh ça joue bien. Non,
Mathieu Vata, il a envie, on envoie l'ultime licorne, c'est bon, il est mort. Batumaman qui est au contact, qui va aller courir sur Cylon, qui réussit à lâcher un joli silence, bien joué de la part du SF, et il est toujours en vie. Il est... Oh, c'est bon, il arrive à le Batumaman, est-ce qu'il a encore son ulti pour fuir suffisamment longtemps? J'ai l'impression... Ok, donc ça fait 3 pour 3, parce qu'il y a la Aegis, ouais, on va dire. 3 plus 2 plus Aegis, on va dire. Voilà. Mais avec le retard qu'ils ont, c'est largement rendable pour eux, hein. Ah ouais, ouais, clairement. Ah, ça a tellement bien joué, le petit hit and run, là, on aurait cru les professionnels de la SC2 qui te font du stutter step avec les marines, là. Ouais. Tu peux bouger en groupe, en hit and run, très 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 stylé. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que Fata, il lui manque pas grand-chose pour survivre, mais il lui manque quelque chose. Et bah, je sais pas, peut-être qu'il est juste level 9, peut-être qu'il commence par le Yasha plutôt que le Sanj. En tout cas, il manque vraiment pas grand-chose pour finir en vie, et ça change tout, hein. Si ce radar te tient en vie... C'est un mec qui tape à 224 contre un mec qui tape à 0. Petite batte qui vont courir après Kuroki. Ouais, il va se recharger. Est-ce qu'on a l'ulti? Non, on n'a pas l'ulti Spirit Breaker, ça ira pas au bout ça. Allez, Necro 2 maintenant sur le Lican qui lui aussi va commencer à devenir une vraie menace. On travaille sur un Vlad côté des Cafobos, que j'aime bien aussi toujours chercher à booster les dégâts, plus l'armure supplémentaire va bien aider. Ouais. Moi j'aime bien le Doom là qui a priori va faire Crimson Guard je pense pour contrer les dégâts des bas de visage. Parce que les bas de visage ça tape très très vite mais assez vite pas très fort. Bon même si là il y aura le radro hein, qui buff. Du coup le Crimson Guard ça bloque quasiment tous les dégâts quoi. C'est vraiment sympa. Allez, God il a fait un début. God a fait un début de ce qui ressemble à un Sanji Yasha. Pour être Manta. Ouais. Pourrait. Ouais, ça ferait un peu mal à voir. Non, il a la mana pool pour faire Manta et. Bah, si tu comptes sur ton stick, oui. Allez, une petite haste qui va être récupérée pour God. Genre de rune vraiment important dans cette game avec le monk disable qui a du côté liquide. Avec une haste, tu te balades comme tu veux dans les fights. Ouais, je veux esquiver le lick quand même. Mais tu peux largement esquiver le Razor, et ça, Dieu sait que c'est important. Oh, Lil qui a vu tout le monde. Est-ce qu'on peut essayer de mettre... La charge est partie, on l'a vu, hein. On l'a vu Fata avec son Sable Current. Est-ce qu'on peut essayer de mettre l'ulti peut-être sur Kuroki par exemple? Rune Invis sur Kuroki, ça aussi c'est hyper important. L'ulti est quand même posé sur Fata, du coup il s'est révélé. L'ulti SF qui va arriver, Fata qui se remet full HP. On a essayé de focus le Spirit Breaker sur le dessus, on lui met un ulti Bane. Kuroki il a un HP, c'est bon, on va le finir. Le Bane va mourir à son tour. God, il a 7 Ace Jean qui va pouvoir activer pour s'enfuir la charge pour partir. Et bah... La Ace a gagné face à l'invisibilité, j'ai l'impression. Ban Control qui est isolé. Ouais. Oh bah il bouge. Oh quoique, la Draw elle a pas la range pour l'attaquer. Si, c'est bon, elle va finir. Le SF est toujours en vie. Il a plus sa Ace par contre. Moi je pensais que c'était une bonne décision de la part de Liquid de décider de focus comme ça. Ils ont mis le Doom sur le visage de Lille le Doom lui a couru après sur toute la fight et l'a tué. Je pensais que c'était une bonne décision et comme ça ils allaient pouvoir gagner une des plus grosses sources de dégâts actuelles de VP, mais ça n'a pas suffi. Ouais, c'est le SF qui a fait 2500 dégâts sur cette fight. Ah oui, ça pouvait pas être le visage pour le coup, ça c'est certain. Ouais, parce qu'il a fait double raise sur les supports, il a mis un ulti quasiment au contact de Fata sur l'initiation. Ça joue très très bien cette game, hein. C'est impressionnant. Même à Tumaman qu'on n'aurait pas forcément énorme sur son Lican, je me rappelle que je l'avais cast sur son Lican il y a assez longtemps. Et il m'avait pas convaincu, c'est à l'époque que je jouais que Ember. Mais là, il y a rien à dire. Hein. Il est chargé d'ailleurs, il est complètement isolé. Il a son ulti dans bientôt. 3 secondes. Ah, ils vont pas aller le chercher. Ok, on s'arrête là. Ils vont pas aller le chercher. Il termine son Necro 3 à l'instant d'ailleurs. 10 minutes pour retraite Vlad Necro, Blade Necro 3, il n'y a rien à dire. Il est premier Networks et ça se voit dans son inventaire. Et pour le Shadowfin, on va voir si c'est Sanji Yasha ou pas. Pour moi, c'est juste le Yasha. Damospi très important contre Razor pour le Kite. C'est marrant à quel point ils ont exactement le même inventaire, le SF et le Razor. Ouais, sauf que le Sanji Yasha arrive. Et item pour item, c'est le même inventaire. Allez, on a Lid qui va peut-être surprendre un peu Batumaman. La charge est partie. Alors, tu peux stun, mais ça n'interrompt pas. Il a ressorti des oiseaux, il va essayer de restun. C'est la spéciale Lille, ça. Oh,
Mais il se fait massacrer par les Nécrons, il a plus de mana, du coup maintenant il prend beaucoup moins de dégâts. Le strip est posé sur Decaphobos. Relocate derrière sur le visage. On relocate plus Doom. Oh, on lui a mis directement l'ulti Winterhiver. Est-ce qu'on arrive à le tuer qui a son ulti? J'ai l'impression que c'est le gars Stun de Bat qui arrive, l'ulti Bane. Par contre, maintenant sur God, on lui met le glaçon, du coup on lui vole tous ses dégâts, mais il tank. Jirax va mourir. Fata sur coup absolument sûr, on va pas réussir à partir avec lui malheureusement de la part de Kuroki. Il est isolé et il va mourir. Il récupère le visage justement de mourir. Beaucoup trop fort, Lil. Qu'est-ce qu'il fait Kuroki? Alors son début de move, malheureusement il le fait un peu trop vite, parce qu'il peut attendre juste quelques secondes que ses mates arrivent, mais c'est la spéciale Lille, j'ai deux CD de bat, je vais me faire le position adverse, il s'en doutera jamais. Mais alors son stun des bats à la fin pour permadiser le Doom, pour permettre à God de lâcher son ulti. Très belle réaction de tout le monde dans l'ensemble là, dès que le relocate arrive, bam, l'ulti Winterhaven qui est direct posé sur le Doom. Le Doom, on l'a vu, hein, pendant l'ulti Winterhaven, il avait les bras en l'air en mode you are doomed. Bah non, you are glaçonné. C'est tout ce qui se passe mon petit pote. Très belle réaction, et cette game du coup, regardez, il y avait 7500 gold d'avance pour Team Liquid, et on est de retour à zéro. Et pour le coup, du coup, maintenant l'expérience est largement en faveur de Virtus Pro. Et je sais que l'expérience est importante dans cette game, hein, avec des héros comme le visage, comme la draw qui va buff les dégâts de tous ses coéquipiers. Elle est maintenant level 12. Il scale très bien le Drap Virtus Pro. Et donc, notre Shadowfiend est très riche. Alors attention aussi aux Lycans, puisque c'est les Lycans Nécro, ils ont un gros problème, c'est l'évasion. Ils peuvent rien faire contre l'évasion. Maintenant, il y a plusieurs sources d'évasion dans le jeu. Avant, il n'y avait que Butterfly. Vous avez les Solar Crest, que Lille finira par faire probablement. Mais on a surtout deux porteurs de Butterfly en face, l'Adro et le SF. Et contre Butterfly, le Lycan ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il peut faire MKB, ok, mais ses nécros, eux, n'ont pas la MKB. Et il n'y a pas d'autre moyen d'enlever l'évasion, malheureusement. Donc, ça, c'est un des mecs, je pense, qui a le plus souffert de ce changement sur l'évasion, là, qui est plus... retiré maintenant par les ex notamment, comme c'était le cas avant. Mmh. Allez, bah double manta. Double manta. Est-ce que tu penses qu'il regrette son mecha Fata? Je pense pas. Non. Je sais pas honnêtement pour deux kagol qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus. Ouais. Alors, ils sont sans GHA plus tôt, mais je pense pas que ça ait le même impact dans les fights. C'est ça, c'est une Death Ball en face, donc c'est un problème de tanking pour l'instant, plus autre chose. On a un combat de loup contre bat dans le pit de roche. Mmh. Remporté par les bats. Ouais, tout le monde qui scoot roche. Tout le monde qui est dans les bois adverses, et on va venir push en bas de la part de Virtus Pro. Ça va être peut-être un échange avec Liquid qui est déjà en place en haut. La tour qui est déjà mis d'HP. Liquid terminera légèrement plus tôt. Attention, ils se sont déjà fait pigeon plusieurs fois sur ce VO, sur des échanges. Je vous rappelle qu'il y a un Lycan Nécro en face. Hein. Lycan Nécro, ça te défonce une base en quelques instants, même si le haut a été utilisé pour le moment. Il y a un loup en plus qui a été dévoré par Mind Control, donc il donne le bonus à tout le monde. Il faut pas les laisser taper. Oh la bourre. Voilà, bourre FNG qui va pas vouloir aller mettre un éventuel outil. La charge est partie sur Matumaman. Ah, des nécros. Ah, bah non, il court à 650 là. Non, tu le récupères pas. La charge va connecter par contre. Hein. Oh, ouais, ils ont envie de le tuer. Est-ce que son outil se finit maintenant? Non, son outil se finit pas du tout maintenant. Oh, le son de visage. Ouais, il est bientôt fini son outil. Hein. Peut le recharge là ou pas? Ah, non, il a plus de mana, Phobos. Il s'est tout fait. Ah, dommage. Bon. Ils vont retourner voir Roche. Je sais pas s'ils ont pris l'info parce que ses bats étaient là avant de traverser là vers le mine. Ouais. Peut-être qu'il a eu le temps de voir que Roche est revenu. Oh, il y a un délai sur God. Il y a un délai sur God. Il y a le Vlad, il y a l'Oradro, il y a un loup. God, je pense que, honnêtement, quand il active le DD, mais il tape à 600. Mais il s'est le 4 top là. Ah bon? Alors, je sais pas pourquoi, il y a pas la protection anti-backdoor, mais il tape sur God. Il avait encore des loups dans le coin ou un truc du genre? Les loups étaient mid. J'ai aucune idée de pourquoi il n'y avait pas la protection. D'accord. Allez, Aegis, faut la récupérer quand même. Sous contre-indiquant, c'est dangereux de laisser tomber une Aegis comme ça. Mais la drone, regardez-moi ça. Elle tape à 300, tout simplement. Alors le SF pour avoir ses dégâts. Mais je pense qu'il tape à 600 avec le DD activé. J'ai dit 600, bah je dois pas être loin. Hein. Bah je pense. Le DD marche sur les dégâts de base ou sur les dégâts totaux? Les dégâts de base. Ah, donc c'est un peu moins quand même. Parce qu'il a des mais dégâts. Mais là, il a pas le Vlad. Il y a des dégâts bonus, ouais, mais c'est des dégâts bonus aussi le Vlad. Donc le DD. Non, c'est dégâts de base, c'est tout dégâts de base. Tout leur Avenge, la totale, tout est dégâts de base. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça augmente pas tes dégâts
Enfin, du coup, le DD qui est Vlad ou pas change rien. Ah oui, ouais, ouais. Non, c'est vrai. Ok, donc on va essayer de forcer Virtus Pro à back, on va remettre la pression en haut, c'est faible, il sort l'ulti, il se prend un stun, un deuxième stun, un ulti Winter Wyvern. On sort les blades, on le heal, okay, back, non, on le heal juste. Il y a l'ulti sur le back, oh, le deuxième ulti. Ouais. Et il va quand même prendre un très low sur la Assumption, 40 HP. On va tenter TP d'un pas de main control, ça ne passera pas. On a quand même le SF en DD, le fameux SF DD qui arrive, le Lycan a tué FNG. Oh, est-ce que tu trouves la risque? Oh oui. Doom, mais Doom. Ah non, mais il est noir, d'accord, ok. Mais alors, trop classe. C'est clair, c'est clair. Bon, notre SF DD du coup, voilà, bon, il a pas le loup à côté de lui. Voilà, c'est 127 plus 250. Tranquille. Donc le DD lui rajoute plus 100 dégâts, quoi. Plus 100 dégâts, il a plus 60 par l'aura draw. C'est vraiment violent ces strats, hein. Allez, ça charge en bas sur Jurax, on pourra prendre. Pas débloqué grand chose, on a fait un Gosscepteur sur Kuroki. Alors, vous avez vu comme nous que tout le monde tapait très fort dans cette game. Les Gosscepteurs vont être importants, croyez-moi. Là, il essaie de finir cette tour, il va y arriver. Il s'est fait voler quand même une petite centaine de dégâts. Oh, mais il tape à 300. Bon, il s'en fout un peu, mais. Non, mais c'est vrai, il tape toujours à 127 plus 27. C'est quoi ces conneries là? Bon, je pense qu'à un moment ils vont se faire gratter la rack stop par une relocate ou un truc du genre. Mais il faut juste qu'ils soient conscients que ça peut arriver, ça. Allez, on va aller mid, hein. On va aller mid tout simplement de la part de Virtus Pro. Avec les restes qui partent, on voit les oiseaux. Alors, je crois pas que l'aura draw ne marche que quand elle active son sort, qui est hop. Putain, elle tape tout le temps à 60, 3 attaques par seconde, c'est bad, ça rigole pas. God, qui va prendre beaucoup de dégâts qu'à l'Aegis de l'Immortel, bien sûr. L'Enfeeble ralentit bien le truc quand même. Hein. Ouais, il a pris très tôt l'Enfeeble, Jirax. Il a pris dès le level 4. Regardons, c'est le point de Nightmare. Il avait senti le coup venir. Et on va remonter. Aegis part dans 2 minutes, hein, vous venez de le voir. Ah. Peut-être un petit problème de FPS ou un truc du genre. Cam bug. Bon, on va voir tout ça, ça me permet de. Voir un peu cette game, c'est reparti. Focus la Rax range. Chloradro est fini, j'ai l'impression. Doom qui prend le feu. Okay. Ouais, il a plus le feu du coup. Hein. On lui met le Tinker Widow, on a envie d'essayer de le one shot. Le slip qui arrive, lui, quand il lâche son ulti par derrière. Attention à God maintenant qui va se faire focus. Il lâche son ulti, le mecha il est toujours en vie. Mind control, ce fail, ça ne suffit pas. On a mis l'ulti Spirit Drake pour être très malade. Attention, on va mourir parce que même s'il bye back derrière, il n'a plus son ulti. Il va s'en sortir très très low, mais regardez VP. Ils sont tous remis full HP à coup de charge, on a coup de glaçon et à coup de lifesteal. Et cette Rax qui est emportée, tu me pensais qu'il backait? Mais pas du tout. Non. Pas du tout, on ne back pas dans ce genre de situation. On enchaîne sur en bas maintenant. Le Lycan n'a plus son ulti, il ne fait plus peur du tout. Oh, FNG, attention. Ouais, FNG. Et là, il doit se mettre le glaçon sur lui-même. C'est peut-être important ça. Ils ont toujours la. Ah non, ils ont plus l'Aegis. Allez, le Bane est mort. Le Vizier a tué le Bane. Je sais pas d'où, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais il est mort. La Rax Range va tomber en bas. Gros plasma field du Razor qui va toucher beaucoup de monde. Allez, on a lâché Ulti Bane sur le visage pour forcer un peu la réaction de VP. Oui, il y a les oiseaux, Bane qui va mourir. La charge qui a traversé tout le fight parce qu'on pata, il est très très dangereux. Il isole complètement Silent qui a un Doom qui est parti. Je sais pas trop sur qui, mais venir lui continue de fight. Le Razor du coup doit être très très dangereux. Il a pas réussi à tuer la draw, mais maintenant il peut revenir dans le fight et il va taper à plus 100. Mais God va gagner le main fight. Et God qui gagne le main fight, effectivement. Il reste que Mind Control en vie. Je pense que c'est fini pour Team Liquid qui vient de se faire éliminer de The Summit sous nos yeux. Zébaï, oh, il y a trop de dégâts pour Virtus Pro. Je vous rappelle, avant que ça termine, regardez les graphes, regardez le retard qu'avait Team Liquid. On est à la 10ème minute de jeu, 7500 gold d'avance pour Team Liquid. Et cette fight de Roshan qui va complètement relancer l'équipe russe, qui l'emporte du coup 24 à 16. Ah, elles sont toujours aussi violentes ces strats draw quand tu sais comment les exécuter, quand tu connais tes points de force, quand tu sais à quel moment est-ce que tu peux vraiment faire profiter. Ah, il a pas eu le temps de vendre tous ses items, c'est très ça. Comment est-ce que tu peux vraiment exploiter tes dégâts au maximum? Et VP nous le montre une fois de plus, c'est pas parce que tu changes ton position hein, que tu vas changer tes strats, et c'est pas pour autant que tes anciennes strats ne marchent plus non plus. Et bien dans les top picks de ce bilan, on savait qu'il y avait beaucoup de héros qui avaient énormément de valeur aux yeux des deux équipes, et bien ce sera le SF de God qui aura eu raison de tout le monde. Et
probablement le visage de Lille quelque part aussi. Ouais, mais du coup, on les comprend, c'est respect ban, honnêtement. Hein, Oui. les respect ban, SF et Queen of Pain. Alors, je vais mettre le stream officiel, comme on nous avait annoncé une éventuelle quelque chose lié au patch. Alors, ça sent la blague de merde. Merde, j'ai fait une connerie là. C'est pas ça que je voulais faire. Ça sent la blague de merde, mais on va quand même garder un œil dessus. Là, on voit les joueurs, enfin, vous ne voyez pas, je vois les joueurs qui sortent. On passe sur le panel d'analystes. Voilà, qui vont probablement raconter des choses passionnantes. On voit les gens qui bouffent comme des gros sacs derrière. Et donc voilà, ils nous mettent l'arbre. Ah, il est joli leur arbre, tiens. Très très bel arbre. Donc on voit que Virtus Pro avance. Je trouve qu'il n'a pas de logo d'ailleurs. Hein. Vous avez le droit d'insulter la production de BTS. Et donc, OG contre IOM à suivre juste après. Je vais vous cacher ça en fait. On va juste attendre de voir s'il se passe quelque chose sur le stream ou pas. Pour ce qui est des items de Lille, il peut pas vendre son Aghanim. Enfin, il peut déposer son Aghanim, non? Enfin, il y a des héros avec lesquels tu peux pas le faire. Ah, probablement. Probablement que tu peux pas. Tu peux probablement le vendre, par contre. Mais Bah, je sais que par exemple, sur. Je crois que c'est probablement pas le Ogre déposer, en Magie. fait. Ogre Ouais. Magie, tu peux ni vendre, ni Meepo non déposer, plus. tu peux rien faire. Ouais, Meepo, c'est pareil. Ouais. Mais tu peux même pas vendre. Enfin, donc peut-être qu'avec. Ah, tu peux pas vendre non Non, non, plus? tu t'es Ok. coincé. Il y a même des mecs qui disaient, mais c'est débile parce que moi, quand je joue avec Alchimiste et qu'il me pull un Naga. Tu peux plus revendre le mien, tu vois, donc c'est un peu con, quoi. Et voilà, Hugo fait voir l'arbre de la scène. Il est là, c'est ça que tu veux voir. Tu vois 4 planqués sur leur canapé, là, avec des abonnés qui font les cons derrière. Non, il n'y a rien à voir sur ce stream officiel pour le moment. Si tu veux voir l'arbre du tournoi, tu tapes point d'exclamation tournoi dans le chat et tu auras accès à un super lien qui t'expliquera tout ce qu'il se passe. Si tu veux savoir quel est le prochain match, tu peux regarder juste à là. Hop, puisque le prochain match est OG contre IOM qui arrive très très bientôt et qui sera cassé par un duo d'experts puisque c'est le retour de Luciano sur la Web TV qui vous expliquera peut-être pourquoi vous ne l'avez pas vu depuis le début de The Summit et IOM Shiba IOM. Ai-je besoin d'en dire plus? Baissez le son de vos écouteurs, de vos enceintes, je ne sais pas sur quoi vous écoutez le stream. Préparez-vous, puisque le fameux cri du géant chino-lillois ne va pas tarder à arriver. Bon, alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Parce que, donc, je vous rappelle ce qui s'est passé, il y a eu plein de tweets. Donc, il y a eu un tweet de Vilat qui a dit il va y avoir un truc lié. Ah, c'est maintenant. Ah, oh, fuck, je sens la blague de merde. Je vous mets le son du coup. I said it was a bit of a clickbait, but we've got something even better for you today. A surprise appearance by the one, the only Ice Frog for his first official interview. How are you doing today, Ice Frog? Ah, I'm doing good there, Jack. Don't suck. I'm ready for this interview. I've been hyped up and ready all day. Wow, okay. You seem very excited. Well, Ice Frog, everybody wants to know, why have you chosen the Summit 4 to have your first official interview with the community? Well, it's real easy. Beyond the Summit and the Summit have been around, what is it, the fourth one now? And yep. They always seem to bring something that no other oh, event or nul, tournament là. Can do. Il se Quality chuchote lui-même en plus. Memes. I love the memes there, Jack. Love the memes. Okay. Memes. Okay, good. Well, that's interesting. So, the majors. C'est majors trop system, nul, very interesting now. Great job on that. Where do you think the fourth major is going to be held? Yes, the fourth major. Yeah. We have been thinking long and hard about this one, but I think we landed on the perfect spot. Oh, really? It's going to be your mom's basement. That's what I'm thinking. Okay. Wow. Forehead. Good. Okay, bon, okay. Je vais m'en aller, d'accord? Ah, oh, c'est nul, c'est nul, Ouais, mais ouais. c'est nul! Ah, oh, le niveau 0. Alors, les gars, je sais que je fais des blagues de merde. Et je m'en excuse. Voilà. Vous me servez un peu de défouloir en ce moment. Je travaille sérieusement à l'école, j'ai besoin de me relâcher. Et j'adore vous faire des blagues de merde. J'adore emmancher Lulu, j'adore emmancher Yuyu sur sa sexualité. Voilà, c'est pas un problème d'ailleurs d'avoir une sexualité un peu déviante. Hein, Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, et les bœufs sur la pierre qui roule, qui n'amasse pas mousse. Mais pitié, non, je ne suis pas à ce niveau-là, c'est ridicule. Hein. Bon, et pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs pourquoi, enfin, qui est IceFrog, qu'est-ce que c'est qu'IceFrog, etc. IceFrog, c'est le mec qui a, en fait, c'est pas l'inventeur de Dota, c'est pas le cas du tout, c'est le mec qui a repris le développement de Dota il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, on va dire, et c'est le mec qui a transformé Dota en une custom map très bien balance et compétitive.
C'est lui qui a transformé une map fun en une map plus que ça. Et c'est à ce moment-là qu'ont commencé à apparaître les premiers tournois et que la scène compétitive s'est vraiment développée. Et donc c'est lui qui a été recruté par Valve au moment de juste avant The International 1, donc pour encadrer en fait le développement de Dota 2 et s'assurer du coup de l'équilibrage du jeu, et c'est encore lui qui le fait à l'heure actuelle. Alors dans quel détail, on ne sait pas, on sait juste que c'est un employé de Valve d'une manière ou d'une autre, et voilà, son travail c'est de s'occuper de la balance du jeu, cette balance qui fait que bah, des gens comme Voja ou moi par exemple, ça fait, je pense que 10 ans ça doit être plus ou moins vrai, je pense qu'on est peut-être même un peu plus que 10 ans qu'on joue à ce jeu, tout simplement parce que bah, c'est jamais le même, quoi. Si maintenant on devait rejouer une game de 6-48, il n'y a juste rien à voir. Les héros sont pas les mêmes, les items sont pas les mêmes, le fonctionnement du jeu est très différent. Et tout ça, on le doit à notre ami la petite grenouille bleue qui est. Bah voilà, qui, bah, si je le voyais en vrai, je lui ferais des gros poutous parce que il m'a ruiné la moitié de ma vie à me faire jouer à un jeu vidéo. Donc je l'aime pour ça. Il m'a fait vibrer, il m'a fait. Yep. Et pour ajouter un petit peu, le truc très marrant, c'est qu'en fait, le mec a réussi à tisser tout un mythe autour de son identité. D'ailleurs, c'est. Alors, on a envie de dire personne ne sait vraiment qui est Ice Frog, mais en fait, des gens l'ont vraiment rencontré durant les internationales. Mais malgré le nombre de personnes qui l'ont rencontré, ça n'a jamais leak. Ça n'a jamais leak. C'est-à-dire que publiquement, on n'a Il y a eu des aucune rumeurs, idée. mais qui étaient toutes Voilà. aussi Mais tirées on ne sait sur même les pas autres réseaux, quoi. exactement d'où il est. Le truc le plus qui paraissait le plus véridique, c'est on savait que c'était quelqu'un très probablement quelqu'un des pays arabes. Il y avait eu un truc sur comme quoi il était égyptien. C'est ce qui paraissait le plus legit. Même ça, c'est tiré Ouais. d'une liste de personnes qui étaient au TI et qui étaient employées de Valve et qui avaient été Tout à recrutées fait. dans une période. Enfin, Et c'est le c'est truc des qui trucs. paraissait le plus probable, mais voilà, mais c'est vraiment très drôle du coup, parce que, enfin, c'est génial d'avoir ça, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, bah voilà, ça fait vraiment triste de voir. Enfin, voilà, pour moi, c'est du blasphème, quoi. Lançons un djihad contre BTS. C'est quoi ça? On ne désacralise pas le nom d'Ice Frog comme ça. Ice Frog est un dieu. Ice Frog est notre dieu. Ice Frog est notre leader. Et c'est une. Voilà, ça me rend triste de voir des choses pareilles, surtout pour des blagues aussi pourries. Bref, Luciano. Va reprendre le stream avec notre ami Shiba. Nous allons lui mettre un petit message. Savoir s'il est prêt. Puisque je ne sais pas toi, mon petit Boja, mais je crève la dalle. Pas mieux. Et Pas mieux, savez-vous ce pas que je vais mieux. manger, amis viewers? Je vais manger des bourses. Des bonnes grosses bourses, parce que j'adore les bourses, surtout quand elles sont bien fourrées. Et ça va être un putain de régal. Allez, Lulu me dit qu'il est ready. Du coup, bah, comme d'habitude, Voja, c'est toi qui auras le mot de la fin. Mot de la fin sera donc, vu que tu l'as annoncé, bourse. Bourse. À noter, du coup, donc les prochains matchs pour ceux qui ne sont pas au courant. OG contre IOM, suivi du gagnant contre Virtus.pro qui vient de remporter son match. Sur ce, à plus tard. Amusez-vous bien.